Pakwajang et l'art de la spirale. Traduit par Pomme des huit trigrammes, le Pakwajang fut révélé en Chine il y a 150 ans par le maître Donghai Quan. La marche en cercle, exercice essentiel du Pakwajang, fait référence aux lois physiques régissant l'univers. Art martial redoutable, le Pakwa doit aussi être considéré comme un système énergétique bénéfique pour la santé. Dans le Pakwajang, l'expert de Pakwa se meut continuellement sans que l'on puisse prévoir ses actions. Tout repose sur l'art des transformations, car dans le Pakwajang, technique et déplacement résultent de combinaisons en spirale. La pratique martiale s'appuie sur des changements d'angle d'attaque. Le principe de transformation permet de déstructurer la posture de l'adversaire, puis de pénétrer sa garde pour lui infliger une terrible et ultime frappe. Le système Gaoyi Shen est depuis plusieurs décennies transmis par le maître taïwanais Luo Dexu. Celui-ci est représenté en France par Hervé Marigliano. Après les arts martiaux japonais qu'il pratique depuis 1971, Hervé Marigliano part vivre et étudier de 1990 à 1994 sur l'île chinoise de Taïwan. Il y apprend les arts martiaux et la médecine traditionnelle chinoise auprès de maîtres chinois. Aujourd'hui, en qualité de professeur de l'école Yizhong de maître Luo Dexu, Hervé Marigliano transmet en Europe son expérience du Pakwajang. Le système Gaoyi Shen s'articule autour de la pratique de 10 techniques de main fondamentales, Ji Ben Sofa. Il s'agit de mouvements spiralés qui développent la force d'attaque et de défense. Le système Gaoyi Shen s'articule autour de la pratique de 10 techniques de main. Ce sont des techniques de main fondamentales. Il s'agit de mouvements spiralés qui développe la force d'attaque et de défense. Le simple changement de pomme est par excellence la forme fondamentale. Elle représente le noyau dur, l'essence de l'ensemble des autres changements de pomme du Pakwajang. Outre le simple changement de pomme, il existe le double changement de pomme et les 8 changements de pomme. Ces formes constituent les fondations de l'art du Pakwajang. L'explosion d'énergie en Pakwajang résulte du contrôle de l'esprit et de la capacité à focaliser toute la puissance du corps vers une cible précise. La force qui en résulte peut jaillir de n'importe quelle partie du corps et s'applique à toutes les techniques du Pakwa, frappe, coup de pied, luxation et projection.
L'autre phase dans la progression du style Garishen concerne la pratique des postures célestes, Tiangan. Ces techniques renforcent les jambes, le torse et les tendons. Le Xianqian Paquajang, Paqua du ciel antérieur, concerne un niveau encore plus élevé de pratique. Il s'agit de formes circulaires qui incluent la marche en cercle et notamment les huit pommes mères, Bamujang. Toujours dans le Xianqian, les changements de pommes sont quant à elles de courtes séquences de mouvements contenant les directions fondamentales. Si elles paraissent abstraites, il n'empêche qu'elles contiennent tous les principes du Paquajang, percussion, torsion et bien sûr projection. Le point commun à l'ensemble des styles de Paquajang reste donc la marche en cercle. Le boxeur marche en cercle tout en pivotant sur lui-même à l'image d'une planète qui effectue sa révolution céleste. En fait, les formes circulaires du Xianqian apportent la capacité de changer de direction en souplesse et avec stratégie. Dans le Paquajang, la force est bien sûr provoquée par les techniques de rotation et de vrille. Plus particulièrement, le combattant en Paquajang tourne soit autour d'un point extérieur à son corps, la marche en cercle, soit effectue une rotation sur son propre axe.